Voilà, ça, salle d'autopsie. Avec. Alors, je suis Jean-Marie Vertezen, je suis médecin légiste, chef de service de la médecine légale au CHU de La Réunion. Alors, des frigos et des congélateurs, en fonction de l'état du corps, le délai de récupération du corps. Alors, une phrase, c'est le médecin qui s'occupe des victimes de violences volontaires ou involontaires, qu'ils soient vivants ou qu'ils soient morts, et qui vont rédiger des certificats, chercher les éléments de preuve à l'attention des magistrats pour que la justice soit rendue à partir de preuves. Voilà, c'est bon. Hop, c'est fort. Sur les décès, les questions les plus couramment posées, en fait, l'essentiel des questions, c'est savoir à quelle heure remonte le décès, est-ce qu'il s'agit bien de cette personne, ou quelle est l'identité de cette personne, la cause du décès et les circonstances. La cause du décès, c'est par exemple, je vais prendre l'exemple d'une noyade, on retrouve quelqu'un immergé au niveau du lagon. Donc on va faire une autopsie, on va voir que cette personne est noyée, mais là on a la cause du décès, on n'a pas les circonstances. Est-ce que cette personne est allée se noyer volontairement, dans ce cas-là c'est un suicide. Est-ce que cette personne a été immergée volontairement par une tierce personne, là c'est un homicide. Ou est-ce que cette personne a eu un malaise et accidentellement s'est noyée. Au sol, vous aurez ça. Dès lors que par exemple elle a 4 pattes. Donc si vous avez ça au sol... Du coup, je suis Philippe Esperança, je suis expert près de la Cour de cassation française en criminalistique et plus particulièrement dans une discipline qu'on appelle la morpho-analyse de traces de sang. Mon rôle ça, est là de les former à retrouver sur les scènes de crime des critères morphologiques que présentent les traces de sang pour aider l'enquête en indiquant si j'ai cette forme-là, si j'ai cette taille-là, si j'ai cette distribution-là, il s'est passé telle chose. Quand je parle de taille, c'est est-ce que la trace elle est millimétrique, elle est centimétrique. Quand je parle de forme, c'est est-ce qu'elle est circulaire, est-ce qu'elle est ovoïde, est-ce qu'elle est complexe parce qu'elle associe plusieurs modèles, si les traces présentent une distribution qui est convergente, ou plutôt une distribution qui est linéaire, ou pas de distribution. C'est ce type de critères que l'on va regarder qui nous permettront de déterminer le mécanisme de création de ces traces et donc de déterminer quel est l'événement qui s'est produit. C'est un travail d'enquête, bien évidemment. Ce qui motive le plus, je dirais, un jeune médecin à devenir légiste, parce qu'avant qu'il soit légiste, il faut qu'il soit médecin. Donc le parcours est quand même assez long et difficile. Et ce qui le séduit le plus dans ce métier, c'est effectivement ça, cette proximité avec les enquêteurs et cette recherche, cette réflexion qui permet à un moment donné d'émettre des hypothèses et